Bon, c'est bon. Bonsoir à Salut! tous, bienvenue au Drakkar du Meeple. Alors, c'est notre première aujourd'hui, donc on est un peu stressé quand même, faut se dire. Oui, Hein? un petit Petit peu. Donc j'espère en tout cas que tout va bien fonctionner. On avait essayé de faire des Twitch il y a un an tout juste, mais on avait une très très mauvaise connexion et du coup ça rendait le rendu assez mauvais. Donc on a attendu d'avoir la fibre optique et ça y est, on l'a. Donc on Ça peut. Donc on est content parce que bah voilà, on aime bien présenter, on a bien partagé notre passion du jeu de société avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à follow, ça va nous aider parce qu'on débute donc du coup, bah, faut se créer une petite communauté, c'est un peu difficile. Donc voilà, donc aujourd'hui on vous présente les Tyrans de l'Ombre Terre. Les Tyrans de l'Ombre Terre, c'est un deck building de contrôle de territoire et du coup on aime bien ce jeu. On aime bien ce jeu, il est vraiment génial. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette première avec ce jeu. Donc voilà, t'es prête? T'es prête à te prendre une tannée? Oui, bah, fais gaffe, ça va te porter Ouais, mal. c'est clair. De toute façon, c'est moi. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat. Ça nous ferait, ça va nous motiver, en fait. Et on va donc du coup, on va lancer le générique. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà, nous revoici devant le plateau. Alors j'espère que la lumière, vous allez bien voir. J'ai essayé de faire au mieux avec le matériel qu'on avait. Ah, Sultan Stark est là. Coucou, coucou copain. Salut. Salut! Merci d'être là. Et voilà, j'espère que vous voyez bien le plateau. Alors, je pense que... Coucou Nico! Trop bien le générique. Ouais, c'est vrai qu'il est rigolo, ouais. Je me suis bien amusé. Ouais, je me suis bien amusé à faire la musique, à faire le petit montage. Na Et c'est moi qui fais les voix en plus, hein. Et toutes les voix. Alors, on va vous expliquer les règles tout en jouant, je pense. Je pense que ça sera mieux. Je pense que vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube qui le font beaucoup mieux que moi pour expliquer les règles. Mais en gros, comme tout deck building, on joue 5 cartes. On a un deck ici. Où on a en fait 10 cartes. On a 7 cartes nobles. Alors je vais vous montrer, j'ai la petite caméra qui est à côté, j'espère qu'elle va bien fonctionner, elle déconne un petit peu tout à l'heure. Voilà. Hop, ça c'est les cartes nobles. Ouais, ça déconne un peu, bon. On arrive à voir quand même. Donc ça, c'est les cartes nobles qui nous permettent de nous donner de l'achat, en fait. Ah, allez, voilà. Ici, ça nous permet d'acheter des cartes. Ce symbole-là, pour chaque symbole, on peut acheter des cartes au marché. Donc un homme nous donne un point d'achat. Je ne sais plus comment ça, ils appellent ça dans le jeu. Mais en gros, c'est ça. Voilà, on a le nom de la carte ici. Ce que nous donne la carte. Et en dessous ici, en fait, ça c'est pour la fin de la partie. À la fin de la partie, si la carte, elle est dans notre main, dans notre deck, dans notre défausse, ça nous fera 0 point. Mais par contre, si on arrive à promouvoir cette carte, elle nous fera un point de victoire à la fin de la partie. Alors, promouvoir des cartes, c'est grâce à des cartes qu'on va pouvoir acheter. Donc, je vais remettre le plateau. Voilà. On va pouvoir acheter des cartes au marché qui est ici. Sont meilleurs. Bah, bien sûr. Et du coup, on va pouvoir promouvoir ces cartes pour qu'elles nous donnent plus de points. Voilà. Pendant qu'il parle, moi, je suis en train de voir déjà ce que je peux faire. On dirait rendez-vous en terre inconnue. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, le générique, ouais, c'est vrai, ça. Ça Je sais pas. ressemble un petit peu. Ouais. Alors j'avoue, je ne suis pas influencé de ça, quoi. Non, du tout. Alors, on a nos 10 cartes. Donc on mélange notre deck. Donc là, du coup, on a le plateau. Sur une partie à deux joueurs, on ne va pas jouer sur les deux côtés ici. On va seulement jouer sur le plateau central. Vous avez ici des petits jetons. C'est des jetons des peuples neutres. Donc ça, il va falloir aller à la bagarre pour pouvoir prendre le lieu qui est ici. Et puis, il y a trois grandes villes en fait ici. Il y a trois grandes villes et les villes en fait,
quand on arrive à prendre des villes, ça nous donne des points de victoire si on arrive à prendre possession de la ville entièrement. Et si on en prend possession, mais qu'on n'a pas pris toutes les positions de la ville, du coup, on a un petit avantage. Par exemple, ici, ça nous donne un point d'achat. Mais si on arrive à prendre la ville entièrement, dans ces cas-là, elle nous donne un point d'achat plus 3 points de victoire à chaque tour. Donc c'est vachement fort. N'hésitez pas, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire si c'est pas assez fort ou trop fort. Parce que nous, on n'a pas de retour. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Donc voilà, de toute façon, on va jouer. Vous allez vite comprendre. Dans le marché qui est ici, du coup, on a le marché des cartes qui est là. On a deux cartes neutres, comme tout deck building. Donc la carte, la prêtresse de Lot, qui nous donne 2 points d'achat. Et les gardes qui nous donnent 2 points de combat. Voilà. Et sur notre plateau de jeu, je vais vous montrer, du coup, parce que c'est sympa. Hop. Est-ce que j'arrive à bien vous montrer quand ça veut? Hop là. Non. Si, non. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc vous voyez, pour un point d'achat, attends, je remonte la caméra. Voilà, ah, c'est mieux. Pour un point d'achat, pour un point d'épée plutôt, on peut déployer une troupe en fait. Pour 3, on peut assassiner un soldat, donc un soldat neutre ou un soldat adverse. Et pour 3, on peut renvoyer des espions. Alors les espions, on va vous dire à quoi ça sert au moment. Et ensuite, on peut recruter des cartes, voilà, pour le prix, pour le symbole correspondant. Gagner des points d'état en fonction de vos marqueurs de contrôle, ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, on repioche 5 cartes. Donc voilà. Voilà en gros. Bon, je suis pas le meilleur pour raconter, pour expliquer les règles. Bon, si, mieux que moi déjà. Ouais. Allez, c'est Bon, allez. parti. On prend 5 cartes de notre deck. 1, 2, 3. 4, 5. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Je commence. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 cartes nobles. Je vais vous mettre les cartes ici. Comme ça, vous allez les voir. Même si on ne voyait pas très, très, très bien. Voilà. Là, du coup, j'ai 5 nobles. Donc, j'ai 5 points d'achat. Donc, Oui, t'as que ça. j'ai que ça. Bah, de toute façon, avec 7 cartes nobles et 3 cartes soldats, on ne peut pas faire grand-chose. Donc j'ai 7 points d'achat, donc je vais regarder ce qu'il y a au marché. Alors on a une chasseur de primes qui nous donne 3 points de combat. On a deux ici, c'est deux les mêmes. On a l'enchanteur de Tay qui il nous dit, alors, choisissez entre poser un espion ou renvoyer un de vos espions pour gagner 4 points de combat. Le dragonnet rouge, 2 d'achat et 2 de combat. L'avocate nous permet de mettre 2 d'achat et à la fin de vos tours, on peut promouvoir une carte. Donc voilà, une carte qui va permettre de promouvoir des cartes, donc c'est super. Et la gardien de thé, qu'est-ce que je vais acheter? J'ai 5, c'est ça? Bah, je crois que j'allais chercher le dragonnet. Hein. Le dragonnet qui coûte 5 piles. Donc, je vais vous montrer la carte. Elle est quand même bien badass. J'aime bien cette carte. Donc voilà, elle coûte 5. Et elle me donne, du coup, 2 points de combat et 2 points d'achat. Donc c'est cool quoi. Donc 3 points à la fin de la partie, ça allait dans mon jeu ou dans mon deck. Et 5 si j'arrive à promouvoir. Mais voilà, si je promouve, c'est ça qu'on dit? Non, peut-être pas. Bref. Si j'arrive à promouvoir cette carte, c'est que la carte, je ne l'aurai plus. Donc c'est à moi de faire le choix. Et voilà, au début de partie, voilà, je ne vais peut-être pas la promouvoir tout de suite parce qu'elle est quand même bien. Les cartes qu'on achète vont dans notre défausse. Et puis moi, bah, j'ai fini, c'est à toi de jouer. D'accord. Donc, Donc qu'est-ce que moi t'as? j'ai 4 nobles et un soldat. Donc bah, le soldat il va pas me servir à grand-chose. Bah, tu vas pouvoir déployer un soldat quand même. Ah, bah, on a oublié de faire quelque chose. Normalement, on doit se positionner dans une des villes noires hein, qui est là. C'est parce que t'as expliqué, on est Bah voilà, perturbé. on est perturbé, on a le stress et tout. Donc, non, on doit se positionner dans une des villes. Donc, je suis premier joueur, donc je vais me mettre. Je vais choisir en premier, je vais me mettre à Sheb-Nazad, ici. Voilà. Et toi, tu te mets où? Là. Ouais, tu peux. Et c'est Erindlin. Ok. C'est bon? Donc, c'est bon. Oui, je disais, pour un soldat, tu peux déployer une unité. Parce que, voilà, en partant d'ici, Julie, elle peut très bien partir ici. Partir ici.
Elle pourra pas aller là parce qu'il y a un soldat neutre, donc il faudra d'abord le tuer avant de pouvoir y aller. Donc pour tuer un soldat, c'est trois épées, donc là, elle n'en a qu'un, donc elle pourra pas, mais elle pourra commencer à aller par là ou aller par là. Mais je peux aller. Mais non, je suis là, moi. Ah, t'es là, pardon, oui, c'est moi qui est là. Ouais. Je suis perturbé, moi, ça y est. Donc du coup, là, je peux pas me mettre là. Ou si, si, tu peux très bien te mettre là, hein. Tu peux très bien commencer à Ah, te je peux mettre là. m'installer ici direct. Ben oui, parce que si tu contrôles toute la ville, tu. Parce que voilà, ici, si elle contrôle la ville, elle gagne 3 points à la fin de la partie, mais si elle contrôle toute la ville, elle gagnera plus de points par ville qu'elle contrôle entièrement. Donc bah, je me mets là, hein. Ah, donc, tu as joué ton soldat. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est bon pour ça. LDSCOB, allez, Jujube, t'es la meilleure. On voit pas de qui tu parles, mais. Mais si, je suis la Bien meilleure. sûr. Ça veut dire quoi, ça? Donc, une, deux, trois, quatre. Donc, je vais prendre. Je vais prendre ça. Donc tu Je vais prendre le t'achètes chasseur de primes. chasseur de primes. Donc chasseur de primes qui donne 3 points d'attaque, 3 points d'épée. Ah, la caméra, elle déconne la téléportée. Voilà, 3 points d'épée. Donc pour une carte, 3 points d'épée, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est cool. Allez Alex, voilà, Sultan Star, c'est ça. Voilà quelqu'un qui sait dire les choses. bien sûr, oui, c'est ça. Ça, c'est Sultan Machine qui est soutien du groupe. Donc, tu reproches 5 cartes. Donc, du coup, tu as fini. Donc, bah, moi aussi, je reprends mes 5 cartes. J'aurais dû le faire à la fin de mon tour. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3 soldats et 2 nobles. Alors, avec mes 3 soldats, je pourrais très bien tuer lui là. Et c'est, je crois, c'est ce que je vais faire. Donc pour 3 points de mes 3 soldats, là, je vais tuer le soldat. Alors, les soldats qu'on tue, ils vont sur notre plateau, on a une salle des trophées qui est juste en dessous, ici. Et la salle des trophées, on gagne un point de victoire pour chaque jeton, ouais, on va appeler ça, pour chaque soldat qu'on a tué. Donc voilà, hop, j'ai un point. Ensuite, qui serait mauvais joueur? Non, franchement, je suis pas mauvais joueur. Non, c'est Julie qui est mauvais joueur. Mais dis Mauvaise donc, ça joueuse. veut dire quoi ça? Alors, Julie, elle a un truc qui est Oh, drôle. On va commencer arrête! à dire les choses. C'est Oui, que là on est sur si. énergie 12, c'est plus Ouais. du tout le même C'est truc que là. si je gagne, madame ne m'aide pas à ranger le jeu. Par contre, si elle gagne, là, elle va m'aider à ranger le jeu. Ça dépend du contexte. Oui, Oh c'est vrai. là là! Oh, j'ai 2 cartes nobles, donc 2 points d'achat. Oh, on a oublié de remplir la rivière. Par contre, donc on a un dragon noir qui rejoint là. Et là, on a un dragon blanc, bah, comme ça. Donc pour 2, il n'y a pas grand-chose. Soit j'achète l'avocate, et soit c'est ce que je vais acheter. On peut aussi acheter les cartes ici, hein, les cartes, en fait, des cartes communes, ça s'appelle ça. Non, mais je vais acheter l'avocate, qui me permet de choisir entre 2 d'achat ou. Et à la fin de mon tour, de pouvoir promouvoir une carte jouée ce tour-ci. Donc voilà, j'ai fini, c'est à toi de jouer. Donc on remet une carte du marché et on a tisseur de sort. Alors, donc là, moi j'ai bah, deux soldats et trois nobles. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'irais bien. Là, comme Donc t'as quoi là du coup, tu m'as j'ai dit? deux soldats et trois nobles. 2 soldats et à 3 nobles, ouais. Bah 2 soldats, ouais, tu peux bah, soit commencer à aller là ou. Tu Là, peux. je peux pas aller là. Bah non, il faudrait le tuer. Il faut d'abord que tu tues le soldat. D'accord. Donc Ça, c'est pour fait. 1, ben tu en as 2, donc tu peux en passer un deuxième. Voilà. Voilà. Et trois nobles. Bah, je vais prendre quoi? Je sais pas. Tisseur de sort. Donc ça, tu choisis soit de poser un espion. Donc les espions, on peut les envoyer où on veut. Et en plaçant un espion, donc c'est les petites figurines qui sont là, bah l'espion, ça empêche, par exemple, si elle contrôle toute la ville du centre ici, et que j'envoie un espion là-bas, ben en fait, ça l'empêche de contrôler la ville entièrement et de gagner des points de victoire.
Donc c'est toujours sympa. Et aussi, ça nous permet aussi, si moi, par exemple, je suis ici et que je veux m'installer là-bas, je peux envoyer un espion là-bas et commencer à m'installer ici, en fait, sans passer par les routes. Ça permet d'aller plus vite. Donc, t'as fini? Donc, voilà, hop, tu peux remettre une carte là-bas. Et moi, j'ai quoi comme carte? Il y a cinq personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à follow, hein. N'hésitez pas à cliquer sur pour nous suivre. Donc là, j'ai un, deux nobles, trois nobles même, et deux soldats. Ouais, trois nobles. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un maître espion ici qui permet de poser un espion, qui coûte 2, et on a le tireur de sort, poser un espion, on renvoyait pour supplanter une unité sur le même site. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en général, elles sont toutes bien, hein, les cartes. Ouais. Mais là, je crois que je vais acheter un garde, une carte commun là. Donc le garde qui donne 2 points d'attaque. D'accord. Je vais acheter ça donc avec mes trois nobles et mes deux soldats. Donc j'ai 2 points. T'es assez quand même, Oui. Oui, c'est vrai. hein. On ne peut pas trop. J'aime Ouais. bien. Venez. Donc, j'ai commencé à me mettre là. Là, tout à l'heure, j'ai tué le soldat, donc je vais pouvoir commencer à me mettre ici. Mais elle reste là-bas, hein, c'est bien. Ouais, bah ouais. Je vais prendre la grande ville du centre. C'est Oui, celle qui bien fait sûr. plus de points. Bah oui, bien sûr, oui. Et je commence à Comme remonter. si j'allais le laisser faire, quoi. Commence à remonter là. Oui. J'ai plus de cartes, j'ai toutes mes cartes, c'est à toi de jouer. Ok. Alors, donc j'ai un soldat. Et trois nobles. Et quatre nobles. Donc du coup, je vais mettre un bonhomme là. Ouais, on commence à prendre la ville de Kanagrim. Et du coup, je vais faire. Je vais prendre ça. Donc chasseur de primes qui lui donne 3 points d'épée. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est bon. Oui, ça va vite, hein. Les tours vont très très vite. On a 5 cartes, on joue nos 5 cartes, on achète des cartes. Là, tu peux remettre une carte. Et puis voilà. C'est un jeu qui n'est pas compliqué. Donc la partie s'arrête de différentes façons. Soit le deck du marché est vide, il n'y a même plus de cartes, ou soit que le dernier joueur a posé son dernier soldat. Je ne sais plus combien on en a par joueur, je ne sais plus. Mais voilà les deux conditions de fin de partie. Alors, j'ai mon avocate qui me permet de gagner deux. Alors, je choisis entre 2 points d'achat. Ou à la fin du tour, je peux promouvoir une autre carte jouée ce tour-ci. Alors, je pourrais commencer à promouvoir pour commencer à me débarrasser des petites cartes du départ, qui sont bien au début, mais voilà, un point d'achat, on a mieux par la suite. Donc, j'ai le choix, mais sinon, j'ai un, deux, j'ai deux d'achat. Je pourrais avoir quatre d'achat avec l'avocate si je ne choisis pas de promouvoir. Mais soit c'est ce que je vais faire, je vais promouvoir une carte. Donc du coup, je vais prendre mes deux nobles pour acheter une prêtresse de Lot, donc une carte commune hein, qui donne 2 points d'achat. Voilà. Ah, j'avais mon dragonnet, j'avais oublié. Mon dragonnet qui me donne 2 points d'achat aussi. Bah tant pis, je vais le jouer du coup pour 2 points d'achat, m'acheter le maître d'espion qui permet de poser un espion. Ça c'est cool. Voilà. Qui coûte 2. Et voilà. Et ensuite, j'ai un soldat. Le dragonnier me donne 2 points de soldat. Donc j'ai 3 points de soldat. Donc je pourrais commencer à taper au centre. Et c'est ce que je vais faire. Je vais taper un soldat neutre ici. Et voilà. J'ai joué toutes mes cartes. C'est à toi. Tu peux en mettre une carte au marché. Ok. Alors, attention. J'arrive. On commence à avoir des cartes intéressantes. Alors, j'ai Pour le ça qu'il y a dit ça. chasseur de primes, plus le soldat. Et deux soldats. Déjà. Alors, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5 soldats. Alors, que vais-je faire? Je vais me mettre là. Déjà, donc ça me fait un en moins, c'est ça? Autonomie 15, là, c'est ça?
Ouais, Oui. c'est ça. Voilà. Une, deux, trois, quatre. Du coup. Bah, je vais taper là. Alors, tu le mets pas, le pion. Tu le mets pas, en fait. Pour trois soldats, en fait, tu le tues seulement. D'accord, voilà. T'en faudrait un autre pour en Bah mettre là, un. je vais en avoir un. Hop. Donc là, je mets mon dernier. D'accord. Ah là, t'as Là. eu pas mal de points d'attaque là. Et du coup, j'ai un noble, mais je vais rien avoir à un. Non. Donc je le remets. Et j'ai posé un espion. Donc. Alors l'espion, elle peut le mettre où elle veut. Elle peut très bien partir là-haut, le mettre en haut ici. L'espion permet de poser des soldats quelque Tu mets part. là? Bah là, t'y es presque. Donc là-bas? Autant que tu te mettes sur un lieu là ou même là, pour commencer Oui. par prendre le centre. Bah là-bas, Donc c'est bon. t'envoies ton espion là ou là. D'accord. Ok. Donc c'est bon. C'est tout bon. C'est à moi. Donc du coup, t'as pas acheté de carte là. Là, c'était là-bas. Bah non, j'avais qu'un noble, donc je C'était peux la pas. castagne, quoi. Je pouvais pas faire grand-chose. Alors, moi, du coup, j'ai refait ma pioche. Donc, du coup, j'ai récupéré l'avocate, j'ai récupéré le dragonnet rouge et j'ai trois nobles. Donc, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'achat. Je peux même avoir 7 points d'achat. Je peux avoir 7 points d'achat. On a le dragon. Ah, 7 points d'achat, on a le dragon noir là. Elle coûte 7. À mon avis, elle doit être super forte. On peut supplanter une unité blanche n'importe où sur le plateau. Alors, supplanter, c'est comme ce que tu as voulu faire en fait. C'est tuer une unité et en plus d'en mettre un en fait. Et ben ça en gagne temps. C'est pas trop mal. Et en plus, gagner un point de victoire pour chaque trio d'unités blanches dans votre salle des trophées. Ah, c'est quand même très fort. Ben, c'est ce que je vais faire. J'ai dépensé 7 pour m'acheter ça. D'accord. Et voilà, du coup, je n'ai pas de. Ah si, j'ai 2 points de soldat. Donc je peux poser deux unités. Je vais en commencer à en poser un au milieu là. Voilà. Donc là, je ne contrôle pas encore la ville, parce que les unités blancs neutres sont plus nombreux que moi. Moi, j'en ai qu'un, elles sont trois. Et le dernier, je vais commencer à remonter ici. Encore. Et voilà. C'est bon. C'est bon? C'est à toi. Alors. J'en pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bah du coup, je vais renvoyer mon espion pour avoir les sous. Ouais, bah attends, je vais montrer. Je vais montrer la carte. Donc cette carte-là, en fait, elle a deux choix. C'est soit elle pose un espion, ou soit elle renvoie un espion chez elle pour qu'elle puisse gagner 3 points d'achat. Donc il faut au préalable pour avoir la deuxième ici, il faut avoir posé bien sûr un espion pour pouvoir bénéficier du deuxième effet. Mais comme elle a envoyé un espion tout à l'heure, du coup elle peut le renvoyer chez elle pour gagner 3 points d'achat. Voilà. Ou sinon elle peut reposer un espion. En tout on a 5 espions, donc il peut y avoir 5 espions. Voilà. Donc toi tu veux renvoyer un espion pour avoir les 3 points Bah, je d'achat. vais re... Ouais, voilà, parce que Du j'ai coup. pas. C'est pas grave, de toute façon, je vais pouvoir la remettre après, hein, c'est pas Bah grave. ouais. Donc, du coup, je la remets là. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus mes nobles. Ouais. Alors, je regarde ce qu'il y a de bien. Je regarde. 6, ouais, c'est pas mal, hein. T'as dragon Elles blanc là. sont où les cartes là pour, tu sais, renvoyer les cartes pour la fin de la partie, tu sais? Pour promouvoir une Pour carte. les mettre de côté, tu Ah ouais, sais? bah il faut qu'il y ait la carte Faut qui que est ça soit marquée. marqué. Promouvoir, mais là, t'en as pas. Il n'y en a pas un. Après, tu as des bonnes cartes comme le dragon blanc qui te permet de déployer 3 unités. Ouais, c'est pas C'est mal. assez fort parce que tu gagnes 3 épées quoi, Oui. sur une carte. Donc celle-là, t'as coûté 6. C'est ça, bah, t'es 6, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc voilà, et il me reste une carte, j'ai un soldat. Donc, je vais Tu aller. peux très bien. Ah bah non, t'as plus l'espion. J'allais dire, tu peux commencer à prendre la ville du haut. C'est ballot. C'est pas grave, je vais aller là. Mais rigole pas, rigole pas. C'est pas bien de rigoler Eh si, je d'avance. rigole. Bing, bing. Alors là, on a le maître espion. Oh bah comme tout à l'heure, la carte que j'ai tout à l'heure. À moi de jouer?
Oui. Alors, j'ai deux nobles, deux soldats et une prêtresse de lot. Du coup, j'ai un, deux, quatre, quatre d'achat et deux épées. À quatre d'achat, je vais m'acheter l'enchanteur de taille. Enchanteur de taille. Donc, il est pas mal l'enchanteur de taille parce que, vous voyez, je peux poser un espion ou renvoyer un espion pour avoir Il est quatre pas beau. points d'achat. Bah, peut-être, mais Pas beau. il est très utile. Et deux soldats. Donc, deux soldats. Donc, je peux poser deux drapeaux là, deux bannières. C'est chiant, deux, parce que j'aurais voulu commencer à tatanier ici. On peut pas tout avoir. Non. Non, mais je commençais à prendre la ville qui est là et commencer à m'installer là. Parce que voilà, contrôler la ville, là, elle me donne 3 points de victoire à la fin de la partie, je la contrôle. Mais si j'arrive à contrôler toutes les cases de la ville, c'est plus de points. Donc la ville me valera 5 points au lieu de 3. Donc c'est cool. C'est pas mal. Bah, j'ai plus de cartes, j'ai toutes mes cartes, c'est à toi. À moi. Alors, j'ai un soldat. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais faire moi? Là, je peux avec un soldat, je peux virer ça. Attends, faut 3 soldats pour assassiner un soldat. C'est chiant. Pour 1, tu peux seulement déployer un soldat. Hop, je vais aller là. Voilà. Et du coup, 1, 2, 3, 4 nobles. Alors, moi je vais prendre le 3 et le 4. C'est timide le chat là. Ça parle pas beaucoup. Ça Pourquoi? observe. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils jouent bien? J'ai pris Est-ce le qu'ils sont 1 sympathiques? et le 3. Le 1 et le 3. Ouais. La carte 1 et Ah le d'accord. Non, la carte qui t'a coûté qu'un, c'est 3. ça? Et la seule qui t'a Oui, coûté 3. oui, oui, Ah oui. d'accord, Ouais. ok. J'ai pas compris ça. Bien Tu peux sûr. m'en mettre deux cartes, s'il te plaît? Bien sûr. Alors. T'as mal mélangé le deck ou quoi? Elles sont pourries les cartes là. Bah Il y en a des si, meilleures. ah ouais, mais t'en as dit pas mal aussi. Ouais, mais bon. Là, le rat modard est pas mal. Moi, je veux les autres Piocher qui deux cartes. dégagent. Ça, piocher, c'est bien parce que piocher, ça vous donne plus de cartes et vous pouvez faire plus de choses. Ça fait un peu la cascade, quoi. Bon, j'ai quoi? J'ai un garde. Oh! J'ai déjà le maître espion. Le maître espion qui me permet de poser un espion. Alors, je vais commencer à me mettre. Là-haut, là. Ouais, ici. Voilà. Je vais me mettre là-haut. Comme ça, je vais compenser pour. Ah, je vais pouvoir quand même prendre. Parce que les 3 villes les plus importantes, c'est vraiment ces 3-là, quoi. Parce que ces 3-là vous donnent des jetons. Qui vous donne des points d'achat et en plus si vous la contrôlez totalement ça vous donne des points de victoire, surtout celle-là qui donne 3 points de victoire, hop là, 3 points de victoire à chaque fin de tour. Donc il faut jamais laisser un joueur qui prend le jeton ici, surtout celui du milieu, il faut jamais le laisser, il faut toujours renvoyer un espion là-bas si on peut, bien sûr, commencer à taper dessus, quoi. Donc j'ai joué mon maître espion. J'ai un soldat et un garde, donc j'ai 3 points d'achat, donc j'ai 3 points d'attaque. Donc je vais m'en servir pour assassiner une unité blanche. Voilà. Donc ça c'est joué. Je vais ça dans ma défausse. Et j'ai 2 points pour acheter des cartes. Je pourrais racheter un maître espion, mais pff, ça m'intéresse pas. Les autres sont aussi. Il y a le Gobold. Ah le Gobold, je crois que c'est pas mal ça. Choisissez entre. Déployer une unité ou assassiner une unité blanche. C'est pas mal. Je sais pas quoi mal ça. Moi, j'ai m'acheté ça. T'en as pris un, toi? Non. Si, t'as pris un Gobolter. Non. Ah, c'est pas ça. Je n'ai plus de cartes. Je mélange ma pioche. Et c'est à Julie. Alors, attention, j'arrive. Clac, clac, clac. Ah, ça y est. On la retient plus. Chasseur de primes, chasseur de primes. Waouh! Ah, t'en as Waouh! deux chasseurs de primes? Bien sûr. Disons. Et Vache. un soldat. Alors 7 là, points ça. d'attaque là, Ça va dégager sévère. c'est fort.
Alors. Parce que là, t'as tué qu'un petit soldat blanc, en fait, c'est tout. Bah oui, mais attends, j'arrive, moi. Je tape pas tout de suite direct, moi. C'est ouais, elle se prépare à la bataille, et puis. Et bim! Voilà! Ça. Bim! Ouais, ouais. Voyons ce qu'elle fait. Alors, ouais, moi, je vais aller. Bah... Oh là là, il y a une petite place. Ah, t'as été là, t'as été là, toi? Bah oui. Ah, ouais. Donc, pour un, tu te positionnes ici. Oui. Bonjour. Ça va, j'ai commencé à venir ici. Pour un. Tu peux pas me laisser tranquille, là, ici, non? Bah, le but, c'est de... Bing ah, oui. Bon. Donc, pour un, je suis là, d'accord? Ouais. Pour trois, donc... tu peux tuer, assassiner une unité. Oui. Oui, mais c'est ce que je vais faire, bien sûr. Un blanc? Oh, ça, t'es gentil, tu me tues pas? Bah, oui, tu vois. Ah, non, 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 tu mets pas le tien. Pourquoi? Parce que là, c'est pas supplanté, là, c'est assassiné. Oui, mais là, j'ai encore trois. Ah, oui, mais après, tu pourras mettre que... Tu veux mettre trois soldats après, c'est ça? Parce qu'après, il te restera que deux si tu mets un. Oui. Tu ne pourras plus assassiner. Moi, oui, mais c'est pas grave. Moi, là, je pensais que tu allais assassiner deux fois, en fait, non? Et non, non. Ah non, d'accord. Ah, parce que sinon, après, c'est à moi de jouer et puis je pourrais prendre la place. Il te reste encore deux, du coup, de... Voilà. Tu peux en déployer deux encore, si tu souhaites. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu peux remonter là, partir là, pour aller dans la grande ville ici. Voilà. Encore un. Ah, t'as pris le sud, là, en fait. Ouais, ouais, je sais pas. Moi, j'en vais plus dans le nord, tu vois, je suis plus du nord, moi. Mais après, qui dit pas que je vais remonter, aussi? Non. Ouais. Non, non, reste bien reste en bas, bien pour sûr, l'instant. Oui, oui. Il fait chaud, t'es bien. T'as fini? Bah, pour l'instant, je trouve que c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal du tout. Alors... Mais attends, non, j'ai pas fini, en fait. J'ai ah, bah, deux nobles. Ah, bah oui. Alors, je vais faire quoi? Bah, de toute façon, je peux pas. Je vais prendre ça. Voilà. Okay. Avec mes deux nobles. Voilà. Donc, tu as acheté le maître espion. Le maître espion qui permet de poser un espion. C'est la même carte que tout à l'heure. J'ai avec. Voilà. Ok. À moi de jouer, là, ce coup-ci. C'est bon. Alors, j'ai le Gobold. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de choisir entre déployer une unité ou assassiner une unité blanche. Je crois que je vais... assassiner une unité blanche. Donc celle-ci. Voilà. Ensuite... J'ai un dragonnet rouge qui me donne 2 de chaque, donc 2 points d'épée et 2 points d'achat. J'ai mon dragon noir qui me dit supplanter une unité blanche n'importe où sur le plateau. Donc supplanter, ça veut dire que je remplace l'unité blanche par un des miens. N'importe où sur le plateau, ça c'est cool. Bah, je vais faire ça. Toc, ici. Voilà. Et gagner un point de victoire pour chaque trio d'unités blanches dans ma salle des trophées. Donc j'en ai 4, non 5. Donc je vais pouvoir gagner un point de victoire à la fin de mon tour. J'ai l'avocate qui me dit soit je gagne 2 points d'achat ou à la fin de mon tour je peux promouvoir une autre carte jouer ce tour. Mais j'ai peut-être le soldat, je pourrais peut-être m'en débarrasser. C'est ce que je vais faire, du coup je vais choisir la deuxième option. Donc le soldat, je la mets juste de côté pour me dire celle-là, je vais la virer. L'avocate, je l'ai joué. Le dragon noir, je l'ai joué. Il me reste le dragonnet. Du coup, ça me donne 3 points de soldat. Donc 3 points de soldat. Je vais commencer à taper Julie ici. Voilà, tac, allez. Ah bah oui, mais c'est ça, tu m'as dit quoi tout à l'heure? C'est la guerre. Et j'ai 2 points d'achat. Je vais m'acheter une prêtresse de Lot. Ouais. Donc une carte commune qui donne juste 2 points pour acheter les cartes. Voilà. Et du coup, bah, la carte du soldat, je vais la mettre dans mon cénacle. Donc le cénacle, c'est quoi? C'est ça. Et c'est en fait, c'est sous ça qu'on met les cartes qu'on a. Les cartes promues, en fait. Donc cette carte-là, à la fin de la partie, elle me valera 1 point de victoire et non 0. Et la carte, du coup, je ne l'ai plus hein, pendant toute la partie. Je la mets sous ça, en fait. Et voilà, je m'en occupe plus.
Et voilà. À moi? Ben, je crois que c'était un tour quand même pas mal aussi. C'est à toi. Alors, je vais poser un espion. 4, 5. Ici. Au milieu. Oui. Ben, pourquoi tu vas au milieu? Parce que j'ai envie. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Ça pose un problème? Parce Qu'est-ce qui se passe? que tu y es déjà, c'est pour ça. Mais, oui, mais là-bas, tu y es déjà. Ben, ça pas grave. C'est pas Tu peux grave. très bien envoyer un espion aussi là-haut. Allez. Pour pouvoir commencer à mettre des soldats ici, en fait. Ok. Donc ça, c'est fait. Du coup, bah tu vois, t'avais raison, j'ai un kobold. Tu vois, tu fais plus attention Eh oui, j'ai à vu. mon deck que moi. Donc du coup, Soit tu mets c'est... une unité ou soit tu assassines une unité blanche. Donc tu peux tuer une unité blanche bah, ici, ou soit tu mets un soldat. J'ai là-bas. Là-haut, là. Ouais. Commence à te positionner là-haut. Voilà, ça c'est fait du coup. J'ai une carte qui me permet de choisir entre des soldats et des sous, et moi je prends des sous. Ouais. Donc ça fait 4. Et du coup, je pense à là. L'élu de Lot. Elle fait quoi, l'élu de Lot? Renvoyer une unité ou un espion adverse à la fin du tour, promouvez une autre carte Ah jouée voilà. ce tour-ci. Tu vois, promouver, du coup, c'est ça qui te permet de. D'enlever les cartes. Ouais, de ta main. Voilà. Ok, bah tu peux en mettre une carte, c'est à moi de jouer. Alors, moi j'ai. Bah, ça va être un tour assez rapide, parce que j'ai 4 nobles, donc j'ai 4 d'achat, et un garde qui me donne 2 points de d'attaque. Donc 2 points d'attaque, je vais mettre 2 unités. 2 unités, bah, je vais mettre ici. En plus, c'est cool parce que en faisant ça, du coup, je suis majoritaire ici, pour la ville du centre. Donc, du coup, je gagne aussitôt les 1 point d'achat. Voilà. Par contre, je ne l'ai pas totalement parce qu'il y a un soldat ici à Julie. Mais j'ai un point d'achat. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 1, 5. J'ai 5, 5, 5. Qu'est-ce qu'on a en marché? À 5, on a ça. C'est l'informateur. Choisissez entre poser un espion ou renvoyer un de vos espions pour piocher 3 cartes. Ça, piocher des cartes, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Je vais prendre ça. Allez, hop, pour 5, tout pile. Et j'ai fini, tu peux remettre une carte et c'est à toi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en pioche une carte. Donc moi j'ai le dragon blanc, déployer 3 unités. Et gagner un point de victoire par paire de sites que vous contrôlez. Donc par paire, c'est du coup coller-coller, quoi. Donc là, Donc du coup tu. déployer, par exemple là, mais je peux pas virer de blanc en fait, c'est je peux pas assassiner de blanc. Non, tu déploies. Je Ah, ben tout déploie. à l'heure, j'ai même oublié de prendre mon point de victoire. Parce que ça disait, si vous avez 3 blancs, je pouvais prendre un point de victoire. Tant pis pour moi, j'ai Donc oublié. là, je peux mettre 2. C'est combien? C'est 3. Il y a 2 places pour l'instant. Ouais, 2 places pour l'instant. Donc là, elle ne contrôle pas encore parce qu'il y a 3 blancs. Donc 3-3. Et du coup, je vais le dernier le mettre là. Ok. C'est pas mal. Et donc du coup, là, il dit un point Un point de de... victoire par paire de sites que vous. De sites par paire. Donc par paire, je crois que c'est par deux. Donc là, 1. Donc tu peux prendre un point de victoire. Les points de victoire, c'est des jetons comme ça hein, qu'on peut gagner en cours de partie. Voilà. Ok, et sinon, bah là, j'ai 3 nobles. 3 points d'achat. Donc, du coup, je vais prendre ça. C'est quoi? C'est la négociatrice Drow. Si votre Cela cénacle. contient 4 cartes ou plus, gagnez des pièces. À la fin du tour, promouvez une autre carte jouée ce tour-ci. Ah d'accord. Donc dans son cénacle, elle a encore 0 carte, mais quand elle aura promouvé 4 cartes, elle pourra gagner un Du coup, j'ai un soldat, donc du coup, je vais aller là. Ouais. Tu commences à prendre cette ville. Voilà. T'as fini? Oui. Ok, on va remettre une carte là. L'infiltré. Ok. Alors, j'ai quoi? J'ai quoi? J'ai l'enchanteur de thé qui me permet de choisir entre poser un espion ou renvoyer un de mes espions pour gagner 4 points d'épée. Ah oui. Ok, je vais mettre de côté.
Parce que j'ai deux soldats, une prêtresse et un noble. Donc j'ai en tout 3 points d'achat. J'ai deux soldats. Et je pourrais avoir 4, 5, 6 soldats. C'est ce que je vais faire. Je vais renvoyer mon espion qui est ici. Donc je le renvoie chez moi. Et du coup, je peux. J'ai du coup les 4 soldats. Les 4 points de soldats qui sont ici. Voilà. Donc 4 soldats plus 2. C'est pas des soldats, c'est des épées du tout. Ouais, parce que j'ai 2 soldats, non, ça fait 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Je vais faire ça. Donc pour 3, je vais tuer là le soldat à Julie qui était ici. Voilà. Il me reste 3, c'est ça? Pour 1, je vais me mettre ici. Du coup, là maintenant, je le contrôle entièrement. Donc je le retourne. Et maintenant, je gagne 3 points de victoire plus 1 point d'achat à la fin de mon tour. Ça va pas, ça va pas. Il me reste 2. Je peux en poser 2 autres. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, ici. Bah, les 2 autres, je vais les mettre ici. Comme ça, je contrôle entièrement cette ville aussi. Voilà. Mais bah, ces villes-là ne gagnent par rapport aux 3 qui sont là. Ici, c'est juste qu'à la fin de la partie, je gagnerai 2 points de plus. Mais elles ne donnent pas d'avantage comme celui du milieu. Et ensuite, j'ai 3 d'achat, plus 1 grâce au jeton qui est là. Donc, j'ai 4 points d'achat. J'ai 4 points d'achat. Je vais acheter un garde pour 3. Tant pis, je vais perdre 1, mais tant pis. Garde qui me donne 2 points d'épée. Voilà. Et du coup, je gagne 3 points de victoire. C'est la fin de mon tour. Je contrôle Aromikos. Je gagne 3 points. 1, 2 et 3. Voilà, 3 points que je mets dans ma salle des trophées. À moi. Oui, c'est à toi. Alors, j'ai le chasseur de primes et 3 soldats. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. J'aimerais bien commencer là. Alors, ça me coûte 2 pour assassiner un blanc, c'est ça? 3. C'est cher. C'est là, tu vois. Allez, bah, alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais assassiner les 2. 3, 3. Là. Parce que là, tu avais 6, c'est ça? Bien sûr. Ah, par contre, tu mets pas cela. Pourquoi? Parce que 3, tu tues seulement. Tu supplantes pas. Oh, en fait. Chiant. Eh bien, oui. Ce serait tellement mieux. Ce serait trop beau. Donc, attends, bah attends. Du coup, non, bah, je vais pas faire ça. Je fais 3. 3, t'en tues un. Voilà. L'autre, du coup, tu le remets là. Okay. Et l'autre, je me mets dessus, quoi. Bah, il t'en reste 2 encore, du coup. Parce que t'avais 3. Tu peux en positionner 2. Mais je peux juste en positionner, c'est-à-dire là ou là, mais je peux pas assassiner encore. Ben non, ouais, t'es coincé pour là-bas, ouais. Je comprends pas. Là, moi, toi, pour 3, au lieu de tuer ici, j'aurais plutôt tué ici pour m'empêcher d'avoir les 3 points tout à l'heure. Et je serais positionné en même temps, tu vois. Parce que là, le prochain tour, j'en gagne encore 3 points. Ouais, t'as pas tort. Tu vois, pour 3, j'aurais tué, après, je serais mis. T'es gentil, du coup, mais c'est trop tard. Non, vas-y, fais-le, on est gentil. Partie amicale. On n'est pas en tournoi. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. J'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas grave. Bah fais-le. C'est pas grave. Du coup, tu te mets pas là. Donc on met le blanc. C'est gentil, disons. Donc voilà, pour 3, en fait, elle m'a tué ici. Donc il est où mon pion? Tu l'as mis où? Et il est là. Du coup, bah, tu le prends. Tu le mets dans ta salle de trophée. Enfin, attention, pas mélanger avec ça. Et du coup, elle s'est mise ici. Du coup, il me reste un noble, mais je peux rien faire avec lui. Donc voilà. Par contre, ça ne change pas. Tu peux toujours te mettre ici, hein, pour 2, hein, si tu souhaites. Ou ailleurs. Parce qu'il te reste 2 points d'épée encore. Parce que 3, tu m'as tué. Et tu as mis 1. Il te reste 2 points d'épée. Donc tu peux reposer deux bannières. Ouais. Ouais, voilà. C'est bon. Ok, c'est à moi.
Alors, il y a 5 personnes qui nous regardent, hein. Quand même, c'est quand même. C'est cool. C'est cool pour. Parce que nous, on est en bas de l'échelle, on est. On débute. Ça doit être les copains. Ouais, c'est 5 copains en fait. Donc j'ai 2 nobles. J'ai un soldat. Donc. Et j'ai un maître espion. Alors, maître espion, je vais pouvoir poser un espion. Je vais me mettre où? Je vais m'en remettre là-haut, là. Voilà. Ensuite, j'ai une carte qui me permet soit de le renvoyer, l'espion que je viens de mettre, le renvoyer. Et je pourrais gagner 4 TP. Ou soit je peux reposer un deuxième espion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une seule épée et 2 d'achat. Enfin, les 2 d'achat, je vais les prendre tout de suite parce que du coup. Je vais m'acheter quoi pour 2? Qu'est-ce qu'on a? Un dragonnet blanc qui permet de déployer 2 unités. Bah, c'est quand même bien. Ouais, je prends ça. C'est pas mal. Et ensuite, c'est ça. Et ce genre pose un espion avec lui là. Donc voilà, soit je pose un espion ou je gagne 4 points de. Ou je renvoie l'espion que je viens de poser là-bas en fait. Pour gagner 4 TP. Soit c'est ce que je vais faire. Je vais le renvoyer. Hop. Et du coup, je gagne 4 épées. Donc 4 épées plus 1, ça fait 5. Alors, on se frotte les pinces. Combien j'ai dit? 5 épées? Oui. Bah pour 3, je vais tuer là. Bah, bien sûr. Voilà. Il me reste 2. C'est pour ça qu'il m'a invité Donc gentiment, là, je parce me qu'il s'est remets. dit Bah non, parce que là, après. ça. Non, parce que là, ça m'a coûté des épées de faire ça. Oui, bien sûr. Donc là, pour. 1, ça fait 4, donc je regagne ça. Et il me reste 1 à poser. Et je sais pas où me foutre. Parce que c'est chiant de les mettre sur les routes, parce que ça nous perd des soldats en fait. On préfère les mettre dans les villes. Mais là, j'ai pas le choix de partir. Soit ici, soit ici. Parce que bien sûr, on ne peut pas se mettre où on veut. On doit suivre notre périple. Je commence à remonter ici. Allez, hop, voilà. Voilà. Bah, je crois que j'ai tout fait. C'est à toi. Je Alors, reprends moi 5 j'ai cartes. posé un 2, 3, espion. 4, 5. Je vais le mettre là. Yes. Du coup, j'ai chasseur de Donc, du primes. coup, alors attends. Comme elle a envoyé un espion ici. Au centre. Ah, du coup, je devais gagner mes 3 points de victoire avant que tu joues. Hop. Bah, je ne contrôle plus le site entièrement. Parce qu'elle a envoyé un espion dans cette ville. Et pour renvoyer un espion, ça coûte 3 points d'épée. Tout comme pour assassiner. Donc ça coûte très cher. Donc, j'enlève un petit bonhomme que je tue. Avec le chasseur de primes. Bien sûr. Et Mauvais. j'ai Mauvais trois ça. nobles. Qu'est-ce que je vais faire avec trois? C'est nul. Un noble, t'as 10 sortes de sorts, tu peux poser ou renvoyer pour supplanter. Donc supplanter, c'est ce que tu veux faire à chaque fois quand tu tues quelqu'un, toi, mettre un à la place. Et pour ça, il faut que tu renvoies un de tes Un espions et espion. supplanter une unité sur le site où était l'espion. Voilà. Yes. T'as fini? Tu peux me remettre une carte là-bas, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai l'informateur. Donc, l'informateur, il choisissait entre poser un espion ou renvoyer vos espions pour piocher 3 cartes. Donc, je n'ai pas d'espion. Attends, tu as 2 espions là en fait? T'es là-haut et t'es là. Ah, je n'ai pas d'espion. Ah, dommage, je n'ai pas de carte qui me permet de le faire. Parce que si. Je vais vous montrer sur la petite caméra là. Hop là. Allez, voilà. Si j'avais un espion, je pouvais le renvoyer et du coup piocher 3 cartes. Donc du coup c'est vachement bien parce que ça vous donne beaucoup plus de cartes. Mais là j'ai pas le choix de faire poser un espion parce que bah, je n'ai pas d'espion, donc je peux pas renvoyer. Donc bah, poser un espion, bah, c'est voilà, on va mettre où? Je vais là-haut aussi. Hein. Voilà. Je n'ai plus de cartes. Donc c'est à toi. C'est à moi. Alors j'ai le kobold.
Donc, je vais déployer une unité et je me remets à ma place. À ta place. Là, tu m'as viré, À ton qui m'a prochain tour. aidé, qui m'a À ton renvoyé. prochain tour. Voilà. Mais bon, quand même, je me remets à ma place. Du coup, j'ai posé un espion avec le gardien. Donc, j'ai posé un Ou espion renvoyer un et espion pour un 3 d'achat. je me mets là. J'ai dit que je me posais là, je me mets là. Voilà. Et du coup, donc je vais prendre les achats, du coup, avec l'adorateur des dragons, ce qui me fait 4. Donc je vais prendre ça. C'est qui? 3. Qui c'est? Le C'est... confident des dragons. Ouais. Alors je gagne Un d'achat. un achat à la fin du tour pour promouvoir une autre carte jouée ce tour-ci. Ah, c'est pas mal de promouvoir des cartes. Ça permet de d'épurer votre deck. Et ça, c'est cool d'en avoir. Surtout que là, on est peut-être au milieu de la partie. Alors, moi, c'est à mon tour. Je vais mettre une carte au marché. L'adorateur des dragons. Ok. J'ai le garde, le garde de garde, prêtresse de l'hôte. J'ai mon dragon noir qui me permet de supplanter une unité blanche n'importe où sur le plateau. Une unité blanche seulement, hein. Bah ici, voilà. Donc supplanter, ça veut dire que voilà, je remplace l'unité blanche par un des miens. Tac, ça va dans ma salle de trophée. À la fin de mon tour, gagner un point de victoire pour chaque trio d'unités blanches dans ma salle des trophées. J'en ai 3 et 3. Donc je gagnerai 2 points de victoire. Je vais les prendre tout de suite. Comme ça, je ne vais pas oublier. Je vais les mettre sur la carte. Ensuite, j'ai deux gardes. Deux gardes qui, du coup, qui me donnent 4 points de soldat. Va me faire des choses. C'est cool. 3 points de soldat, ben. 3 points de soldat, je vais. Hop, ah, c'est la guerre pour ça. Ah là là Et pour là. le quatrième, du coup, je vais me mettre. Ne veux pas que je m'installe ici. Ah, mais là, je contrôle pas. J'ai pas les 3 points parce qu'elle a son espion ici, donc je peux pas avoir les 3 points. J'ai pas assez d'épée pour pouvoir m'en débarrasser. J'ai 3 d'achat. J'ai 3 d'achat, j'ai 3 plus 1. 3 d'achat plus 1, 3. 3, 4 et même 5 parce que là, je contrôle. C'est moi qui suis majoritaire ici. Donc j'ai 5 d'achat. Je contrôle les deux villes qui sont ici. C'est quoi 5 là-haut? Ah bah c'est pas mal ça, les petits dragonnets rouges. Ils donnent 2, 2, 2. 2 d'achat et 2 d'épée. Bah allez, je vais prendre ça pour 5. C'est quoi le cénacle déjà? Le Cénacle, c'est ça. C'est les cartes que tu. C'est ce qui te permet de. C'est les cartes que tu as D'accord. que tu pour promouvez c'est les cartes qui te disent Ouais, ok, promouvez les d'accord. cartes tu les mets dessus Donc ça, moi, c'est bon? bah oui c'est tout ouais, voilà parce que j'ai pas défaussé mes cartes donc je prends mes 2 points de victoire que j'ai gagné grâce à mon dragon noir voilà. Alors, j'ai une carte qui me dit renvoyer une unité ou un espion adverse. Ah adverse donc tu peux Je peux te virer. Me virer quelque part. Je te verrai bien là. Ouais. Là, donc je le renvoie chez moi. Ah, je te le... Enfin, c'est renvoyé, donc ça veut dire qu'il retourne chez moi. Ok. Et à la fin de ton tour, tu pourras promouvoir une carte jouée ce Oui, tour-ci. je sais, ouais. Là, j'ai déployé 3 unités. Donc, où c'est que je vais les foutre? Ah, il n'y a pas... Où c'est que je vais pouvoir me mettre? Bah ici déjà, tu m'as viré, s'il te Bah plaît. oui. Encore deux. Tu peux faire 1-2 et commencer à prendre la ville ici. Parce que c'est con, on les met dans les grandes. Parce que là, c'est loin, quoi. Ça te fait en perdre 2, quoi, pour. Voilà. Après, c'est ce que tu veux. Mais. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas... C'est pas ça qu'on tient 4 cas. Oui, non. À la fin du tour, promouvé. Encore. Ouais. Et du coup, j'ai 2 nobles. Donc, il n'y a rien à 2.
Donc, bah, je vais. Si tu peux acheter là, une carte, une prêtresse. Ah non, c'est bon, j'aime pas ces cartes-là. Non, d'accord. Donc, du coup, hop, je les mets là-dessous. Ah, c'est les deux cartes que tu proposes. Oui, voilà, j'ai deux cartes qui me disent de faire ça. Donc. Que les cartes de départ, elles font 0 points à la fin de la partie, mais si vous les avez promues, ben, elles font un point. Donc, c'est à moi. Alors, j'ai quoi? J'ai un kobold qui permet soit de déployer une unité ou d'assassiner une unité blanche. Je vais assassiner une unité blanche ici. Donc je peux, parce que j'ai un espion, parce que voilà, je n'ai pas de je ne suis pas relié à cette ville-là, mais comme j'ai un espion dans cette ville-là, je peux le faire. Donc je préfère assassiner une unité blanche. Voilà. Ensuite, j'ai mon avocate qui, ben voilà, comme tout à l'heure, hein, soit je choisis mes deux points d'achat ou à la fin de mon tour, promouvoir une autre carte jouée ce tour-ci. Donc je vais voir ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'achat et je peux avoir 7. Ah, c'est quand même pas mal, c'est parce qu'il y a deux cartes à 6 là, donc piocher deux cartes, j'aime bien. Donc je vais. Ah ouais, mais. C'est bien d'avoir des cartes dans son cénacle aussi à la fin de la partie, ça vous fait plus de points. Non, bah tant pis, 1, 2, 3. 4, 5. Je vais rester sur 5, ce n'est pas grave. Je vais la garder pour promouvoir une carte que j'ai jouée ce tour-ci. Je vais même promouvoir celle-là. Ou celle-là. Parce que celle-là, vous voyez, hein, si elle est promue, c'est. Ah, hop, je ne vais pas mettre sur la caméra. C'est 5 points. 3 points si elle est. Donc je gagne 2 points. Si... Mais bon, je perds sa capacité qui donne 2 épées et 2 d'achat. Donc. Est-ce que c'est mieux de le faire maintenant? Mais je crois que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai que. Donc 1, 2, 3. 3, 4, 5. Donc je vais m'acheter pour 5 l'adorateur qui me choisit entre 2 épées ou 2 d'achat. Pour 3, il me reste 2. Je vais m'acheter une prêtresse. Voilà. Moi je les achète. J'aime bien les prêtresses de l'autre. Il vaut mieux d'avoir plus d'achats. Donc ça c'est fait. Il me reste 2 épées. Ah, je vais mettre plutôt 2 épées, donc 2 épées, 2 épées, 2 épées. Je vais commencer à me mettre ici, moi, à l'éternelle fournaise. Je vais mettre mes deux là. Hop. Voilà. Et du coup, l'avocate, elle me permet de prouver une autre carte jouée ce tour-ci. Je vais quand même mettre noble. Je vais quand même me débarrasser d'une carte de départ voilà, qui fait 0 ou 1 si elle est promue. Donc je la mets sous mon cénacle. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est à toi. C'est long, Tu c'est long. peux remettre une carte. Enfin, parce que je ne savais pas trop la carte que j'allais. Vous voyez là le deck, par rapport au départ où on n'avait que 10 cartes, ah voilà, vous voyez, après tout comme tout deck building, hein, on se retrouve avec un paquet de cartes plus conséquent. Je peux jouer? Vas-y, 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 je veux jouer. Oh. Et comme ça. Alors, tisseur de sorts, donc je vais renvoyer un de mes espions pour supplanter une unité sur le même site. Donc j'avais dans l'idée de renvoyer ça, tu vois, Ouais. et supplanter une unité sur le même Le site. même site où était l'espion, ouais. Voilà, c'est Ça ça. veut dire que tu. Donc, du coup, tu me tues et tu mets un. Un drapeau. Ah, bah c'est pas mal. C'est pas mal, C'est ouais. pas mal, hein? Alors, ensuite, j'ai le kobold qui me dit de déployer une unité ou assassiner une unité blanche. Bah, Là, tu vas continuer dans ton élan. bien sûr. Voilà. Ça va, non? Du coup, là, j'ai. Ça m'ennuie, mais. Sachant que tu as un point d'achat, du coup, comme tu contrôles la ville. Oui. Donc ça me fait 1, 2, 3, j'ai 4. Ça m'ennuie, mais je vais poser un espion. Parce que Hein? si je le pose là, ça me fait. Ça sert à rien, bah, parce que tu y es déjà, donc Mais si je renvoie un espion, non, je vais pas pouvoir faire ça parce que ça m'ennuie. ça dépend si tu veux acheter une carte. T'as combien d'achats en fait? T'as pas beaucoup? 1, 2, 3 et 4 pour ça. 4, tu peux avoir 4, 5, 6, 7.
Tu pourras monter à 7. Acheter lui qui te donne 5 points de combat. Très fort. Ah ouais, mais ça me fait renvoyer à un de mes espions. Ouais, c'est ça. Bah tu peux renvoyer celui-là, il ne sert à rien. Parce que tu peux attaquer en étant comme t'es là. Mais allez, soyons fous. Donc ça te fait 7 et elle achète cette carte, je vais la montrer tellement qu'elle est puissante. Hop. Vous voyez, elle donne 3, 4, 5 épées. Et elle fait quand même 4 points de victoire, ou 8 si elle arrive à la mettre dans le select. Donc super carte quoi. Je n'aime pas ces tours. Je n'aime pas ces tours. Tu peux m'en mettre une carte au marché, s'il te plaît? Oui, Merci. suis connue. Alors, maître espion, poser un espion, c'est parti. Donc là, j'ai pris là, j'ai pris là. Je suis déjà là-haut avec un espion. Je vais me mettre ici. Comme ça, elle ne va pas pouvoir prendre la ville entièrement. Ah oui, du coup, en me libérant, tu me libères ça. Il est pas gentil. Oh, j'ai quand même mes 3 points de victoire Mais ici. oui, vas-y, garde Et ses. t'empêches, je te l'ai dit sans. Garde tes 3 points de victoire. Parce que ça va pas durer longtemps. Ouais, j'ai deux gardes qui me donnent 2 points d'attaque chaque. Donc j'ai 4 points d'attaque. Donc 4 points d'attaque. Je vais assassiner. Pour 3 là, je sais que c'est une unité blanche. Et pour l'autre, je vais commencer à mettre là-haut. Voilà. Et ensuite, j'ai 3 points pour acheter des cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a à 3? Le tisseur de sort, pioser un espion renvoyé pour supplanter. Ouais. Ou l'infiltré, pose un espion. Si un autre joueur possède une unité sur ce site, gagner une épée. Comme j'ai dit, 3. Oui. Moi, je vais prendre un garde. Une carte Tout ça commun. pour ça en plus. Bah ouais. Moi Oui. j'aime pas ces cartes-là, ça fait. Bah, c'est C'est. quand même mieux d'avoir un garde qui te donne 2 épées qu'avoir Oui, mais c'est bon. un garde 2 épées qu'avoir un soldat qui te donne qu'une seule épée. Bon. Allez. C'est à Let's toi. go. Donc moi j'ai le chasseur de primes et j'ai 2 soldats. Donc du coup, j'ai bien envie de t'enlever de là. Pour 3. Ouais. Hein? Et pour 2, je vais Ah m'en oui, remettre d'accord. à Bah 2. attends. Ah, j'ai oublié de prendre les 3 points de victoire. Mais non, tu les as pris tout à l'heure. Non, non, mais là, j'ai fini mon tour. J'aurais dû prendre 3 points de victoire. Allez. Voilà, t'es content? Bah dis donc, faut faire attention avant. Oui, c'est vrai. La prochaine La fois, prochaine quick est fois, c'est facile. quick, ouais. Donc là, du coup, bah, je m'a tué, donc je l'ai Oui. plus. Donc du coup, Donc pour ça t'a coûté 3, 3, ça. Il en reste 2. donc bah, je vais m'en remettre dessus. Bah oui. C'est T'inquiète. bon? Oui, je m'en occupe tout à l'heure. Oui, bah comme depuis. Oui. Alors voilà, ça c'est fait. Et du coup, j'ai ça. Donc j'ai 2. Mais je crois pas qu'il y ait. Non, il n'y a Une rien. prêtresse. Je ne veux pas de ces cartes-là. Bon, allez. Si, allez. Voilà, t'es content? Donc Non? 2. Et je peux promouvoir une carte. En fait. Ouais, Donc oui, laquelle? je prends ça. Celle-là. Ok, donc tu as promu un noble. Un noble au moins. Voilà. Ok. C'était où? C'est à moi? Alors, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai l'avocate, soit 2 d'achat, soit je peux promouvoir. Ensuite, poser un espion ou renvoyer un espion. Je vais renvoyer un espion pour piocher 3 cartes grâce à l'informateur. Donc lui qui est là-haut, sachant que je me suis déjà positionné ici, il ne me sert plus. Donc je le renvoie, je peux piocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc, j'ai pioché ça. Ça. Ah, j'ai quand même pas mal d'achats. Et quoi comme bonne carte? Un dragon bleu. À la fin de votre tour, promouvez jusqu'à 2 autres cartes jouées ce tour-ci. Gagnez un point de victoire pour chaque trio de cartes dans votre cénacle. Il faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, je peux avoir 8. En fait. Les 8, je peux les avoir. Je crois que je vais l'acheter, en plus ça fait 4 points de victoire.
Je vais pas passer à côté. Mais dépêche-toi! Et du coup, j'ai deux. J'ai trois d'attaque. J'ai trois d'attaque. Je vais taper là. Oh, c'est bête parce que je peux peut-être me positionner ailleurs. Bah oui. Ouais, mais non, tu vois. Bah Ah, je vais taper là. 3. Voilà. 3. Et du coup, j'ai dit 8. Donc voilà, j'avais tout ça qui me permettait d'avoir 8. Donc j'achète ça. Dragon bleu. Dragon bleu, hein, qui est quand même une grosse, grosse carte. Sympatoche. Sympatoche, étant, du coup, je vais promouvoir une carte. Je vais promouvoir une prêtresse de Lot. Une prêtresse de Lot a fait 2 points de victoire. 2 points de victoire. Ou sinon, j'ai mon dragonnet bleu. Ouais. qu'est-ce que tu fous? Allez, la prêtresse de Lot. C'est bon. Hop, dans mon cénacle. C'est à toi. Elle est pressée, elle est Longueur, pressée. On n'a même longueur. pas le temps de réfléchir ici. Poser un espion. Donc j'ai pas le choix que de poser un espion, donc je vais le mettre là. Hop. Du coup, j'ai le chasseur de prime et un soldat. Donc du coup, pour 3, je vais enlever ça. Voilà. Ah, il commence à me pousser là. Et pour un, je peux pas me mettre dessus. Bah si. Pas bien sûr. Pas alors. Ah, à chaque fois j'oublie ça aussi. J'oublie des choses, Eh j'oublie des ben tant choses. pis, on a dit que c'était trop tard. Mais bon. J'avais droit à un point de plus. Donc il y a 2 et forcément, il n'y a plus rien à 2. Voilà. Et voilà. Donc c'est fini. C'est fini. Tu vois, je suis plus rapide que toi. Ouais, c'est vrai, t'es Oh! d'une rapidité incroyable. Alors, j'ai mon dragon noir. Supplanter une unité blanche n'importe où sur le plateau. Supplanter une unité blanche n'importe où sur le plateau. Ça, ouais, il commence à plus en avoir beaucoup, les unités blanches. Je vais supplanter ici. Comme ça, je vais pouvoir commencer à me mettre là. C'est quand même 4 points ici. Mais là, du coup, tu contrôles plus rien, non? Ah ben non. Non, je ne comprends plus rien. C'est pas moi? Ben non, les ex-aequo. Ah, sachant que t'as l'espion, je crois pas que l'espion il compte dans le. Ouais. J'ai 3 d'achat. J'ai 3 d'achat. 3 d'achat. Acheter un garde. J'aime bien les gardes. Hop. J'ai un soldat. Je vais mettre ici. Voilà. Bah, c'est tout. Je gagne un point de victoire par chaque trio d'unités blanches dans ma salle de trophée. Donc 3. 3, 3, donc 1, 2, 3. Donc je gagne 3 points de victoire. C'est pas mal. Hop. C'est bon, c'est à toi. C'est à moi. Alors, c'est marqué renvoyer une unité ou un espion adverse. Donc, je vais renvoyer ça. Chez moi. Ah, je pouvais pas le garder. Non. Donc, il me dit je vais pouvoir promouvoir une carte. Donc, déployer 3 unités. Ouais. Ici. Ah là, maintenant tu contrôles le site. Là. Et Là aussi, maintenant. Là, tu contrôles les deux sites là. hop. Donc là, ça fait 1, 2 Pas deux. et il me reste 3. Où c'est que je vais pouvoir le foutre? Ah bah voilà, ça fait 4 points. Ah ben non, 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 là. Ah bah oui, encore mieux. Du coup, tu contrôles. Ah bah non, il y a un espion. C'est ballot, hein. C'est ballot. Gagner un point de victoire par paire de sites De que vous site contrôlez. contrôlé. Donc ouais, ça fait 1. Par paire, il faut qu'il soit collé, hein, donc du coup, c'est ça. Je sais pas s'il compte 1-1. Je sais pas si là, tu comptes là et là aussi. Je sais pas si ça fait 2. Si tu comptes celle-là ici, une paire, et là, une paire. Bah peu importe à mon avis. Bah ça fait 1 point et 2. En fait, ça fait 2 points. Ou ça compte. Si c'est un droit de compter 2 fois un site. Par exemple, lui, il est collé à celui-là, il est collé à celui-là. On va dire que ça fait 2, parce que pour moi ça fait une paire. Donc tu peux prendre 2 points de victoire, prends-les tout de suite comme ça, comme ils disent. Ça va, j'ai pas grand point de victoire de toute façon, ça quand même. J'en ai pas mal, moi. Bah oui, c'est pour ça. Je vais la monnaie, toi. Et Et d'habitude, t'as 3, toujours 4, la règle 5. du jeu avec toi, là, tu l'as pas. Je connais la règle pour ça. Bon, alors voilà, ça c'est fait.
de la monnaie. Et j'ai 3 nobles. Hop là. Donc du coup, il n'y a rien encore, ça m'énerve. T'es sûr de ça, tu ne plais pas? Non. C'est 6. Non, celui-là. Il ne plaît pas. Non. Ah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Ou tu peux prendre un garde qui donne 2 épées. Faire plaisir quand on... Mais non, mais les gardes, c'est très très bien. Oui, très, très et du bien. Coup, je peux promouvoir une carte. En fait. Ok. Ça finit? Yes. Ah, c'est à moi. Alors, j'ai un kobold. Kobold dit... Choisissez entre déployer une unité ou assassiner une unité blanche. Je vais plutôt assassiner ici. Voilà. Du coup, ça me libère pour avoir les 3 points ici. Voilà. Lui, c'est fait. Je peux renvoyer un de mes espions. Donc, celui-là, chose que je ne vais pas faire parce que si je renvoie mon espion qui est ici, juste là, là, ben, elle contrôle la ville entièrement et je crois que c'est un point de victoire. Ouais. Donc je vais pas le faire, du coup je vais m'en servir pour poser un autre espion. Je vais poser un espion. Ici, dans cette ville-là. Comme ça, en la posant ici, ben, elle ne construit plus la ville entièrement ici. C'est une toute petite ville, mais bon, au moins. Voilà. Et ensuite, déployer. Donc j'ai le dragonnet blanc qui me dit déployer 2 unités. Vous pouvez dévorer une carte du marché. Alors, ça ne l'a pas encore eu. Dévorer une carte du marché, ça veut dire qu'on enlève une carte du marché qu'on défausse, en fait, tout clairement. Qu'est-ce qui est pas terrible? J'ai des tisseurs de sort. Allez, hop, du coup, je la remplace. Et c'est une éclaireuse avancée qui va supplanter une unité blanche. Donc voilà, je peux déployer 2 unités. Donc je vais me mettre là et je vais me mettre là. Comme ça, je contrôle les 2 villes blanches ici entièrement. Je rappelle qu'on contrôle une ville entièrement, c'est plus de points. Donc ensuite, il me reste un dragonnet qui me donne 2 d'épée et j'ai 2 et 2 d'achat. Donc j'ai 4 d'achat. Donc avec... Ah, c'est bête parce que... Ouais, non, non, je pouvais pas. Avec mes 2 épées. Ah, ça m'embête parce que là, ça me fait prendre des routes. Bah si. Je vais faire ça. Aller ici. Et aller là. La petite ville de Pont de Saut de Gouffre. Qui fait un petit point, mais un petit point quand même. Même pas. Ouais, ça fait 3 points parce que quand tu contrôles la ville entièrement, c'est plus de points. Donc voilà. Et 4 d'achat, j'ai toujours rien acheté, on est d'accord. Griffe dragon, assassiner une unité. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, j'achète ça. Voilà, tu peux en mettre une carte, c'est à toi. Ma pioche est finie, donc du coup, je m'en refais ma main. Alors, moi, je vais faire... Je vais assassiner une unité blanche avec le kobold. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à mettre un tout petit mot sur le chat. Bienvenue. On joue au Tyran de l'Ombre-Terre. Un excellent deck building, pardon. Envoyez un de vos espions supplanter une unité sur le même site. Ouais. Attends, on a oublié de remettre une carte ici, à la pioche, au marché. Tac. Vas-y, je vais faire ça. Du coup, tu fais quoi? Je vais renvoyer mon espion et je vais supplanter une unité sur le même site. Oh, génial. Du coup, elle remplace une de mes troupes par une de ses troupes. Du coup, maintenant, elle contrôle la ville entièrement. Ça va lui faire 3 points de victoire à la fin du tour. Parce qu'elle contrôle toute la ville de Aromikos. Et la ville d'Aromikos, voilà, elle gagne 1 point d'achat et en plus 3 points de victoire à chaque fin de tour. Donc, il va vite falloir que j'aille poser un espion là-bas ou l'attaquer, quoi. Voilà.
Apprends tes 3 points de victoire tout de suite, comme ça tu vas pas les oublier. Parce que souvent, on oublie de les prendre. Voilà. Bah, j'ai ça, j'ai posé un espion, mais j'ai pas envie de renvoyer d'espion. Bah, si, je vais poser un espion, je vais le poser là. Comme ça, voilà. Pour rien? Bah, c'est bête que tu l'envoies là. Oui, bah si. Pourquoi tu l'envoies pas dans une ville que je contrôle entièrement pour m'empêcher d'avoir les plus de points? Bon, voilà. Tu vois? Bon, bref, là, j'ai plus de 4 cartes dans mon cénacle. Donc, je Ouais. gagne 3 achats. Ouais. Et à la fin du tour, je peux promouvoir une carte. Donc, j'ai 4. J'ai 4. Et il n'y a rien. Voilà. Oh, c'est nul. Ça m'énerve. Mais oui, écoute. Moi, Il est pas mal, lui. Et j'aime pas, il est moche. 4 points d'épée. Oui. Si tu renvoies, ça fait des dégâts. Voilà, et je peux promouvoir une carte. Ah non, non, non. Non. Celle que tu viens d'acheter, elle en a des fausses. Oh. Tu peux pas la promouvoir tout de suite. Tu m'énerves, tu m'énerves. J'ai l'œil. Vous avez vu ça? J'ai Discretos. pas fait En exprès. plus, elle l'a mis dans J'ai ses pas défauts, elle l'a repris. Allez hop. C'était pas voulu. Oh. Triche. C'est dingue ça. Je pensais que c'était possible de le faire. Alors, j'ai quoi moi? J'ai mon dragonnet bleu. À la fin de votre tour, promouvez jusqu'à 2 autres cartes. Jouez ce tour-ci pour gagner 1 point de victoire pour chaque trio de cartes dans votre cénacle. Trio, ben j'en ai qu'un. J'ai 3 cartes dans mon cénacle. Je vais gagner 1 point de victoire, je vais le faire tout de suite. Voilà. Hop. Comme ça, je ne vais pas oublier. Parce que même si je rajoute 2 cartes, non, ça ne fera pas plus. Donc, ah, je vais pouvoir promouvoir 2 cartes. Donc j'ai 1, 2. J'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. On a le maître des de sorceurs. Maître de sorceurs. Posez 2 espions, renvoyez vos espions, gagnez 4 d'épée. Ouais, je vais prendre ça. Mettre de quoi? Mais de sorcière, c'est ça? Sorcière. Sorcière? Sorcière, ouais. C'est pas sorcière, mais sorcière. Je sais pas C'est si. étrange. Ouais. 2 espions, vous voyez, un de vos espions gagne 4 points d'achat. Je vous montrerai la carte, elle est quand même pas mal. C'est chiant, cette caméra, là, déconne à moitié. Ah, 2 espions. Voilà, je l'ai acheté. Elle est quand même pas mal. Hop. Ça c'est fait, donc ça m'a coûté 5. Ouais, j'avais 5. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4 épées. Donc là, il va pas falloir que je la laisse faire. Je vais commencer pour 3 épées attaquer là. Comme ça, elle ne contrôle plus la ville entièrement. 4 épées, je vais me mettre. Je vais me positionner. Et là, je suis embarrassé parce qu'elle contrôle là, elle contrôle là, elle contrôle les 3 grandes villes. Et là, je manque cruellement d'épées pour pouvoir faire grand-chose. Là, j'avais 4 épées. Donc voilà. Donc là, maintenant, grâce à mon dragon bleu, montre la carte. Hop là. Allez. Voilà, grâce à mon dragon bleu, je peux promouvoir jusqu'à 2 autres cartes, jouer ce tour-ci. Voilà. Et gagner 1 point de victoire, c'est chose que j'ai déjà fait. Donc, je vais pouvoir en mettre 2. Je vais mettre ça et ça, voilà, dans mon cénacle, et voilà, c'est à toi. Tu peux C'est à moi. mettre une carte là, du coup, c'est un infiltré. Ça va pas rigoler longtemps. Ah, ça y est, on est contente. Oui, parce que regarde, t'es fier de tes cartes, vas-y, fais ton petit truc là. Ping! Mmh. Parce que moi j'ai ça. Attends, tu veux que je montre à la caméra? Ah ben oui. Pourquoi toi t'as le droit et pas moi? Et bim, 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 Ah ouais, sa bim, super carte qui donne bim, en une carte 5 bim, épées. bim. Ouais. Voilà, j'ai le droit, j'ai mon petit droit de mettre la petite carte que tout le monde doit voir, tu vois. Ouais, vas-y, c'est ton Donc du coup, plaisir. hop, oh là 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 là, oh là là, Oh, le cynoche. ça va tacler sévère. Alors, parlons peu, parlons bien. Je retrousse mes manches. La partie bientôt finie. Là, en fait, pour vous dire, il lui reste ça. Pas Je vais vous grand-chose. montrer. Il lui reste ça à poser. Donc en haut, il lui en reste 3, 6, 7, 8. T'allais Donc, m'arranger.
Donc du coup, 8, ça veut dire que si... Mais regarde tout ce que t'as, Une toi. fois qu'elle aura posé ses 8... Moi, j'en ai pas autant. J'ai quand même... Oui, dans ma salle de trophées, j'ai pas mal de... Bon, allez, vas-y. J'en ai deux, pas mal, ouais. Parce que là, je suis... Comme ça. Attention. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Alors, pour 3, j'en ai ça. Tu tues ça. Ok. Ouais. Œil de bœuf. Oui. Du coup, donc voilà, ça c'est fait, hein, pour 3. Pour 2, je me remets chez moi. Donc, elle recontrôle la ville entièrement. Donc, elle va Voilà. gagner un peu. Tu vas pouvoir prendre 3 points de victoire. Voilà, je les prends tout de suite, sinon je vais les oublier. Ouais. Voilà. Du coup. Pour 3, tu penses que tu peux le renvoyer aussi pour. Ouais, Ça mais. coûte 3. Hein. Là, ça coûte cher pour. C'est chiant, on se dit pour 3, il faut renvoyer. Mais tu gagneras encore un point de Attends, là, victoire. ce que j'ai fait, là, j'ai dépensé ça déjà? Je sais pas. Je sais pas, je me suis dit. Merde. Je sais plus. T'as fait quoi? En fait, là, tu m'as tué pour 3. Donc, c'est ça. Voilà. 3. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, mais non. En fait, moi, j'étais là, c'est ça? Oui. Là. Oui. Donc, ça te coûte 4, parce que 3, tu le tues et te poses 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. C'est bon, Ouais, voilà. voilà. Et là, il te reste 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aimerais bien aller là-bas aussi? 1, 2, 3, je t'enlève. 3, ça fait 6. Ouais, tu pourras tuer 1 et poser 1. C'est possible, hein, c'est quand même pas trop mal aussi. Ou sinon, pour 3, tu peux renvoyer lui. Ouais, vas-y, je renvoie 3. 3, tu renvoies l'espion adverse, donc tu gagnes un point de victoire supplémentaire. Donc il me reste Il te reste 2. 2. Donc À 2, la seule chose que tu as, c'est poser 2 drapeaux. Bah de bannière quoi. d'accord. Donc tu peux commencer à prendre là et tu peux même prendre la ville entièrement ici. Ouais, c'est ce que je veux faire. C'est pas trop mal, hein. Là, elle est bien partie, là. Vous voyez, elle a pris presque tout le sud ici. Moi, je suis ici, mais j'ai pas grand-chose, hein. J'ai pas grand-chose et j'arrive pas. Ça me sert pas. C'est fini? Alors, ah, puis j'ai. Oh là là. Là, ça va être rapide. J'ai l'avocate qui me. De l'achat où je peux promouvoir une carte. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais promouvoir une carte. Parce que là, j'ai 3 d'achat. J'ai 3 nobles. Attends, je regarde un que je vais foutre dans mon cénacle. Donc 3, on a quoi? L'infiltré, garde. Je vais prendre une garde noire. Une garde noire qui permet soit de choisir entre 2 épées ou assassiner une unité. C'est pas mal. J'ai 2 épées, donc je peux mettre 2 drapeaux. Ah, puis c'est chiant, parce que 2, je peux pas tuer, je peux pas. Voilà. Ça m'embête en fait de les positionner sur les routes, en fait. Je vais faire ça, tant pis. Je vais commencer à aller de ce côté-là. Voilà, je vais poser ces deux-là. Ici, pour commencer à prendre cette ville-là, quoi. Plus tard. Et ça, du coup, grâce à mon avocate, j'utilise son. Ça que je vais vous montrer. Hop. Voilà, je suis à sa capacité du bas à la fin du tour, promouver une autre carte jouée sourcil. Et je fais ça sur le noble. C'est bon? Ouais, c'est bon. À moi? À toi. Elle est pressée, vous avez vu, et en fond, sa partie. 3, 4, 5. Du coup. Il te reste encore combien de. Il lui en reste 5 à Ouais, peu. mais je Voilà. sais, ça va pas durer longtemps. Ça sent la fin de partie. Ça ne va pas durer longtemps. Ouais, bah c'est ça. Je dis que ça sent la fin de Alors, partie. j'ai 2 chasseurs de primes. Bim! Et Jackid. Et voilà. Et un soldat. Je pose un espion et promouvoir une carte. Ah, t'es quand même bien parti là. Du coup, T'as combien d'épées là? 3, 3 et 3, 6, 6, 7. 7. 7, c'est tout. Oh, c'est tout. Allez, 7, c'est Waouh! tout. Donc, du coup, Tu peux poser un espion déjà, maître espion. oui, mais c'était pas ça que je voulais faire. Attends, par contre, tu défonces tout C'est là. ça? T'es là, je sais pas pourquoi. Donc Tu je veux sais venir pas. là? Oui, parce que si je suis là, je peux recontrôler mon coin. Je sais pas pourquoi tu t'es installé là. Non, tu peux pas. Tant que je suis là, T'es chiant. tu peux m'empêcher. Merde. Ouais, voilà, tu m'empêches d'avoir les 2 points.
Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, là, je vais pour 3, je vais enlever ça. Ah ouais, tu tues celui-là. Et pour 3, je vais me mettre dessus. Non, ça coûte 1. 1 plutôt. Ça coûte 1 pour mettre dessus. C'est poser un espion, ça coûte 1. Voilà. Un d'épée. C'est pas un espion. Non, ah oui, un bannière. Donc là, du coup, elle contrôle la ville entièrement. Donc 4 et 2, 6 points, c'est quand même pas mal. Ok, donc il te reste 3, c'est ça? Oui. Donc le chasseur de primes qui est là. Yes. Deux. Je peux me mettre là? Bien sûr. Oui, pourtant il n'y a rien là. Ah ouais, comment ça se fait? T'étais là, toi? Comment ça se fait? T'as pu te mettre là? T'as envoyé un espion ici, peut-être? Non, tu peux pas les envoyer là. Les deux là. Ouais, c'est les deux que tu viens de poser là. Il faut que tu sois Adjacent. adjacent. Ouais. Tu l'es pas. Ben non, ça va. Il te reste deux. Bah écoute, je pour 2, je Non, c'est peux. trois. Ça coûte trois. Le 1, tu l'as mis où? Mais j'en avais déjà un là, moi. Non, non. Le 1, tu l'as mis où celui-là, le premier que tu as dépensé? Ici? Je sais plus. Oh, je sais plus. Ah bah je sais pas. Il te reste deux à poser, du coup. Tu me casses l'ambiance, en plus je sais même plus ce que je fais maintenant. Bah non, moi non plus, je sais pas où tu l'as mis le. Ah tu l'as mis ici? Oui. Tu l'as mis ici. Et bah laisse-le-moi là. Bah c'est soit tu mets ici ou soit pour 3 tu tues quelque chose. Parce que si tu mets ici, il faut t'en placer deux autres. En fait. Mais là c'est bon. Oui, mais là il te reste deux encore. Oui. Bah je vais tuer plutôt. Non, ça coûte 3 pour tuer. C'est ce que en fait, c'est ce que je te dis. C'est soit tu te poses ici et t'en poses deux ailleurs, ou soit tu tues. Eh ben, je sais pas où le mettre alors. Ben, je tue où? Ben, je sais pas, tu te dis je vais tuer. J'en sais rien, moi. Là? Ben, je sais pas. Oui, par exemple, oui. Ou là? Non? Non, tu m'as dit que je pouvais Hein, tu pas. peux pas. Oh! Faut que tu sois adjacent à Et pour 2, je peux le pas renvoyer un espion? labyrinthe. Non. C'est pour 3 aussi. Non, non, ouais, c'est 3, renvoyer un espion. Ouais. Ben, je les ai les 3 là. Non, tu viens de dépenser 1 ici. Il est tard. C'est soit tu ne poses pas celui-là. Mais si, tu me le laisses là, je contrôle Donc du coup, le truc. il t'en reste 2. Bon, Il te reste 2 bah. épées. Donc tu as Oui. 2 épées, tu n'as plus le choix que déployer des unités. Voilà, là, allez. Non, tu ne peux pas tuer. Mais Ça pourquoi? coûte 3 à assassiner. Il te reste 2. Tu m'emmerdes! Allez, je vais là. Mais non, ça me fait. C'est n'importe quoi. C'est Ben oui, mais n'importe quoi, c'est n'importe c'est quoi. pas grave, c'est pas grave. Une promène. Non, bah je peux ne pas le faire. Ouais, je pense que tu peux pas le faire, Ouais, t'es obligé allez, de le c'est faire. bon. Tu perds J'ai déjà, je me suis bien installée, donc ça va. deux. Tu joues pas mal. C'est pas mal, hein. Donc je peux pas mouvoir une carte. Jouer ce tour-ci. Oui, Ouais. donc je peux pas mouvoir une carte. Et bah, j'ai que une pièce, donc il n'y a pas grand. T'as repris tes points de victoire là? Non. Ah ouais, donc tu reprends 4 points de victoire là. Ah bah 3 alors pour du coup, ici et ça 1 change ici. tout. Mais il n'y a plus de carte ici. Non, mais tu prends 5 points de victoire et t'en. Oui, mais je peux payer, je peux me prendre Hop. une carte si j'en ai envie. Oui. Oh, à 3, regarde. Bah là, t'as 1, 2, 3, t'as 3, 4. 4, c'est pour ça. Mais il n'y a rien à 4, comme par hasard, tu vois. Comme par hasard, il n'y a rien à 4. Ah, bah ça. Mais je vais prendre celle-là, elle est pas mal. Ouais, pas mal, j'ai pris. Bah. 2 épées ou. Mais Ou je sais plus. je peux promouvoir une carte. Ouais, ok. T'as finish. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh ben. T'as vu ça? Alors, à moi. Oh, puis moi, j'ai 1, 3, 4 de points d'achat. J'ai mon global déployer une unité ou assassiner une unité blanche. Je vais assassiner une unité blanche pour gratouiller des points. J'ai que 2 encore d'épée, donc je peux que déployer. Ça m'arrange pas. Bah si, je vais les mettre ici. Voilà. Là, tout à l'heure, j'ai mis ici, donc voilà, je vais me positionner ici. Voilà. Et j'ai 2, 3, 4. Ah, je peux rien faire, je peux même pas l'empêcher d'aller chercher. Oh là là, c'est terrible. C'est nul. À 4, ça lave 2 points de victoire. Le prêtre de là où Z,
Déplacer une unité ennemie. À la fin de mon tour, je peux promouvoir une carte. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'achète ça. Et j'ai envie de dire, c'est à toi. Ok. Il lui reste 4 unités à poser. Je vais poser un espion. Je vais mettre là. Hop. Alors, elle a posé ses, presque 5 espions en plus. Ah, du prochain coup, tour, c'est pas mal. Du coup, j'ai encore un chasseur de primes. Un soldat. Promouvoir une carte. Du coup, alors, je vais choisir, c'est, je vais assassiner une unité. Ouais. Tiens. Okay. Non, j'assassine, je regarde. Ouais, tu assassines, donc tu prends le... Tu donc ça le, c'est fait. L'unité, ouais. Voilà. Pour toi, je te redonne ton espion. Ok. Voilà. Un. Pour un, je peux me déployer. Ouais. Ah, et t'as... Ah. Attends, tu veux que je le fasse? Ouais. Tu peux... Ouais, t'as quasi toute la ville, là, en plus. Ok. Ok, ok. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, j'ai un, mais je peux rien acheter et je peux promouvoir une carte. Ouais. De mon tour. Jouer ce tour-ci. Ok. Bon, hein, ça sent la défaite quand même. Hein, de mon côté. Mais n'importe quoi, t'as déjà plein de points. C'est vrai, j'ai des points, mais je crois que ça va suffire. Je crois que ça va pas suffire. C'est bon, je peux jouer? Yes. Alors, j'ai mon dragon noir. Mon dragon noir, il me dit supplanter une unité blanche n'importe où sur le plateau, gagner un point de victoire pour chaque trio d'unité blanche dans ma salle des trophées. Alors, salle des trophées, j'ai 1, 2. Ah oui, 1, 2, 3, 4 points. Ah, j'ai quand même 4 points de victoire sur ce coup-ci. Voilà. Et je peux supplanter n'importe où. Je prends un drapeau à moi et je vais le mettre ici. Voilà, donc supplanter, c'est-à-dire que je remplace une unité neutre par un des miens. Voilà. Ensuite, ça c'est fait, donc ça je l'ai joué. Mon dragonnet blanc, je peux déployer 2 unités. Je peux dévorer une carte du marché. 2 unités, je vais me mettre ici. Hop, voilà. Dévorer une carte du marché, c'est-à-dire qu'on enlève une carte du marché. J'enlève celle-ci. On l'a 2 fois. Ah, l'élu de dot, elle est bien celle-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 de combat. J'ai 5 de combat. Alors, je vais pouvoir commencer à faire des choses. T'as pris tes 4 points là? Non. Ah vas-y, prends-les. 4 points? Bah ouais, hein, 3 et 1, 4. Donc j'ai 5. Donc pour 3, j'ai tué là. Je vais pas laisser avoir 3 points. Pour 3, il me reste 2. Donc je vais me mettre ici. Et je vais me mettre le dernier ici. Donc là, j'ai pu aller ici parce que j'avais mis un espion tout à l'heure ici. C'est pour ça que je suis pas relié en fait. Et j'ai 2, 3. Ouais, j'ai que 2 d'achat du coup. Voilà, pour 2 d'achat, là je vais m'acheter ça. C'est toujours un point, une prêtresse qui permet d'avoir des sous. Voilà, c'est à toi. Donc, renvoyer une unité. Donc, je renvoie. Oh là là. En plus, elle me le renvoie. Je le mets là exprès pour qu'elle perde 3 épées pour pouvoir le tuer. Donc j'ai 2, je vais me remettre chez moi. Ok, donc elle va regagner ses 3 points. Du coup, donc ça c'est bon. Donc je peux promouvoir une carte après. Il te reste 1 encore. Il m'en reste 1, mais oui, mais bon... Il te reste 2 soldats, il te reste 2 bah unités oui. À poser. Donc c'est pas possible. En fait, t'as pas envie de les poser bah, sur la route. Voilà, c'est n'importe quoi. J'ai autre chose en tête pour le moment. Donc du coup, voilà. Donc ça, je peux promouvoir une carte après. J'ai 3, mais je sais pas... C'est quoi ça? Ça fait des points, un point. Supplanter une unité blanche. Wow. C'est pas mal, parce que tu vois, tu supplantes ici, hop, t'as 3 points.
Bon. Je peux promouvoir une carte par contre. Ouais. Alors celle-là non, je peux pas. Voilà. C'est bon? C'est à moi? Alors, j'ai le griffe dragon. Assassiner une unité, c'est pour cela. C'est après cela. Vous avez 5 unités ou plus appartenant à des joueurs dans votre salle de trophée, gagnez 2 épées. Bah oui. Donc je vais assassiner une unité donc ici. T'as pris tes 4 points? Non. Vas-y. Donc hop. Je gagne 2 épées du coup. Donc j'ai 3. 3, 3. Est-ce que j'ai un espion quelque part, moi? Oh mince. Je vais en renvoyer un espion ici. Comme ça, je vais l'empêcher d'avoir là. Voilà, grâce à l'enchanteur. Il me reste. Donc, j'ai un épée. Donc, j'ai 3 épées. Donc, 3 épées. Je vais assassiner là. Ici, ah ben j'avais ça, j'aurais dû le faire avant. J'ai mal lu. Pose un espion, renvoyer un espion pour piocher 3 cartes. Ah, j'ai pas envie de l'envoyer. Non, je vais reposer un espion. Je vais le poser ici pour l'empêcher d'avoir les 2 points de plus. Et il me reste le maître espion. Donc tu vois, j'aurais pu faire. Bon, c'est pas grave. Et je vais me mettre là pour empêcher d'avoir les 2 points de plus aussi. C'est à toi. Je vais te mettre une carte. Alors, je vais prendre le kobold. Je vais déployer une unité. Ouh! Il me reste plus que deux. Il reste plus que 2 unités et la partie s'est terminée. Sachant que. Ouais, on fait même pas de tour. Hein. C'est fini aussitôt parce que Alors, attends. je suis premier joueur. Je vais faire ça. Je vais. De toute façon, il y aura bien un moment où tu termines. Hein. Je vais renvoyer un espion. Pour avoir 4 épées. Voilà. Ouais, ça va te finir. Donc, du coup. Pour 3, je vais enlever ça. Tiens. Pour toi, tu te tues, donc c'est à toi. Et du Pour 1, il reste 1. Pour celui-là, il te reste 1. Donc là, tu contrôles la ville entièrement. Ah. Ouais, c'est loin. Oh, bah, tant Je le pis. retourne. Hop. Donc ça, c'est fait. Du coup. Ouais. Donc là, ouais, ça. C'est la fin de la partie, là. Assassiner, déployer une unité. Dernier. Ouais. Ok. Ah, t'auras pas. Ah, c'est cool, je t'ai quand même empêché d'avoir la grande ville ici. Mais bon, c'est pas celle qui fait plus de points. Déployer une unité. Bah, il te reste plus qu'à acheter des cartes. Hein. Renvoyer une de vos. Pardon. Est-ce qu'il y a une carte qui n'a pas terminé, là? Supplanter une unité sur le même site. Et du coup, j'ai plus de 4 cartes dans mon oracle. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. 4, celle qui te fait plus de points, ouais, ça a 2 points. Voilà. Et je peux promouvoir une carte. Hop. Voilà. Donc du coup, c'est fini? Bah, du coup, c'est fini. Voilà, fin de partie parce que Julie a posé tous ses soldats, toutes ses unités, drapeau. Donc on va passer au décompte des points. Donc les décomptes des points, comment ça se passe? Du coup, on totalise les points de victoire de chaque site. On a 2 points de victoire pour les sites qu'on contrôle en plus entièrement. J'ai des points là, moi, de victoire, là, par contre.
Ouais, ah oui, là tu scores 2 points, ouais. Même pas À là. la fin de tournoi, maintenant tu contrôles plus entièrement. Oh, t'es chiant. Et oui. Et du coup, on a un petit tableau comme ça pour remplir nos. Pour voilà, noter les points. Donc on va compter du coup total des points des sites qu'on contrôle. Alors moi je contrôle ici. Donc je gagne Mais 3. vu qu'il y a un espion. C'est pas grave, c'est-à-dire que j'aurai pas les 2 points supplémentaires. D'accord. Parce qu'en fait, ici, comme elle a envoyé un espion ici, je n'aurai pas les 2 points supplémentaires parce que je le contrôle pas totalement. Donc là, j'ai 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 17. 17 points pour moi sur les cils que je contrôle. Toi, alors toi, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. 24 points. Donc tu vois, t'es devant là déjà. Ensuite, 2 points de victoire par site entièrement contrôlé. Donc moi, je ne contrôle pas beaucoup. Bravo Juju. Attends, elle n'a pas encore gagné. Ça sent C'est bon, que ça un sent truc. bon, ça sent la Attends, attends, victoire. attends, 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 attends. Du coup, 2 points de victoire par site entièrement contrôlé. Alors, là, Julie. Ah, moi déjà. La Julie. Bah là, j'observe pas forcément parce qu'elle a mis ses espions. Là. Je sais pas ce qu'il fout ici. Je n'ai aucun. Ah, si, si. Un point. Donc, 2 points. Deux. Oh, c'est trop mignon, il a un petit point en plus. Non, 2 points. 2 points. Et Julie, c'est la meilleure. Là-bas, là-bas. Ici, donc elle contrôle entièrement la ville qui est ici. Donc elle a Boubi, 2, 2, 2, 2, plus 2 ici, ça fait 4. Ici, non, 4, là, si. 4, 6. Donc 6. Ensuite, un point de victoire pour chaque unité dans votre salle de trophée. Alors, moi, alors, salle des ah, trophées. t'en auras plus. Ouais, attends, je vais vous montrer avec la caméra. En plus, vous n'avez pas vu. Hop! Quand ça veut. Voilà. En fait, ici, voilà, ça c'est notre plateau. Et en fait, ici, la salle des trophées, c'est toutes les unités qu'on a tuées Regardez-moi ça dans sa pendant salle notre de partie. trophée, ce qu'il a Et tout ensuite, les ça. points de victoire qu'on a gagnés aussi pendant la partie. Il en a acheté, Ah, mais j'avais pas mal, j'avais pas hein. mal. Alors, j'en ai combien, moi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allez, quand même, 21. Et moi, je compte les tiens ou pas? Oui, tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, t'as Ah! été plus gentil, tu vois. Moi, j'étais plus la castagne, tu vois. Moi, je m'installe, moi. Ah oui, c'est. Ah, elle a mis Lily, elle va ranger le jeu. Mais Un arrêtez de bon dire point. ça! Un bon point, j'avais pas pensé à celle-là. T'as raison. Pas me coltiner tout beau aussi. Oh, ça va, il n'y a pas trop de bazar, ça va aller vite. Ensuite, total des points. C'est franchement. C'est pas vrai. Mais non! Total des points de victoire des cartes de votre pioche, de votre main et une autre des fausses. Alors là, on va prendre toutes les cartes qu'on a ici et on va compter les points du coup des cartes. Donc, hop, des points. À gauche. Donc les cartes de départ, elles font 0. Voilà, si on les aurait mis dans le cénacle, on aurait Donc gagné un point. c'est là qu'on compte, c'est Là, on ça. compte seulement auquel Les les cartes. noirs. Ouais, auquel les cartes. Le noir, ouais. De toute notre deck. Oh, merci pour le follow. Merci beaucoup. Alors, 0, 0. Alors, du coup, je vais trier les cartes, du coup. Alors, hop, hop. Là, du coup, on compte toutes nos cartes qu'on a achetées pendant la partie. Hop, hop. Là, 3 points. 2. 1. J'ai quand même pas mal de cartes, hein, mine de rien. Je sais pas. Ça, 0, 2 et 0.
18. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 33 moins. Donc 33 et toi, 18. T'as 18 points. T'as pas acheté tellement de cartes, hein, après. 18, oui, mais j'en ai mis plein là-dedans. Je... Ah, oui. Donc c'est bien le noir, hein, que je me trompe. Ouais, pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on va récupérer toutes nos cartes dans le cénacle. Donc ceux qu'on a mis de côté. Et là, ce coup-ci, on va regarder les points ici. Avec le rond. Voilà. Et souvent, ça remporte plus. Bonsoir, vous êtes au décompte. Oui, on est au décompte. On vient tout juste de finir la partie. Là. Donc, je pense que c'est mal barré pour moi. On va voir, mais je crois. Je crois que là, madame a été meilleure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, oh, mais arrête de... Alors. 3, 24. Merci, à deux joies, ça tourne bien. Ouais, ça tourne bien. Ça... 24. 24 points ? Oh la vache. Ouais, deux joueurs, ça tourne bien parce qu'en fait, le plateau, ce qui est vachement bien, c'est que là, sur une partie de deux joueurs, si tu veux, tu ne joueras pas sur les côtés. Tu joues seulement ici. Donc, ça a été calculé pour qu'il y ait moins de sites à contrôler. Donc, du coup, on est plus là à se rentrer dedans. Quand le jeu tourne bien à deux joueurs, tout comme à trois joueurs ou à quatre joueurs, c'est excellent. Franchement, si tu aimes les deck building, c'est super. En fait, tu as du contrôle de territoire. T'as le... Ouais, pff, ce jeu est bien. La partie a duré combien de temps? Ben, écoute, là, on a combien de temps du live? Oh, elle a duré combien de temps, la partie? Je sais pas, j'ai pas fait attention. Une heure et demie, deux heures. Une heure et demie, deux heures. Et encore là, on a expliqué, mais quand on joue tous les deux comme ça, elle peut durer une heure, la partie. Sur la boîte, ils disent 90 minutes. Mais quand tu connais bien le jeu, ça va vite. Tu sais, les deck building, tu joues tes 5 cartes, ça va plutôt vite. Du coup, on compte les points? Ben, total des jetons de points de victoire. Maintenant, les jetons qu'on a gagnés pendant la partie. Donc, j'en ai 5 et 5, 10. 10, 13, 14. J'en ai 14. T'as quand même pas mal aussi, toi. 14. J'ai hâte de l'essayer, dommage que je sois arrivé que maintenant. Ben, écoute, c'est pas grave parce que la vidéo, elle va être sur YouTube. 24. On va mettre les vidéos des replays sur YouTube parce que, en fait, ce soir, c'était notre premier live. Donc, ça sera tous les lundis, tous les mercredis. Mais les rediffs seront sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Mais 24 points. Oh, c'est incroyable. Moi, je suis dégoûté. Je lance le crayon. Voilà. Bim. Ça ne sert à rien de... C'est moi, la gagnante. Ah oui, j'ai pas mis le... Je vais te mettre dans les commentaires la chaîne YouTube. On va compter les points, mais est-ce que ça vaut le coup de compter les points? Oui, ou oui, gagner. Oui, on compte les points. Oui, oui. Je dis ça, mais c'est vrai que si j'aurais perdu, j'aurais pas fait... Ouais, t'auras pas fait ça. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Julie, elle a quand même 110 points, ce qui est énorme. Et moi... 7, 8, 9, 10, 13, 7, 7, 8, 9, 21, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, et mine de rien, c'était quand même assez serré. J'ai 95 points. Voilà, Julie, 110 points. Et moi, 95 points. Voilà. C'est une honte. Non, mais bravo, bravo, bravo. Bravo à moi. Ouais, bravo à toi. D'accord. Là, tu vois, là, moi, j'ai gagné beaucoup de points, c'est sur l'achat des cartes. J'ai 33 points, toi, t'as que 18 points. Mais là où Julie, je crois, elle s'est beaucoup démarquée, c'est dans son cénacle. Elle a mis beaucoup de cartes dans son cénacle. Elle a 24 points de cartes dans son cénacle, et moi, j'en ai que 8. Donc, il y a une sacrée différence. Et c'est là qu'elle a été maligne, parce qu'elle a été chercher ces cartes-là. Ces cartes qui disent promouvez une carte, et du coup, ça, ben voilà, vous vous débarrassez de vos mauvaises cartes ou d'une grosse carte. Parce que quand vous regardez cette carte-là, par exemple, celle-là, il faut 3 points si elle est dans votre deck
dans votre main ou dans votre défausse, mais si vous la promouvez, c'est tout de suite 7 points, donc ce qui est énorme. Donc voilà, il y a ce... c'est pour ça que c'est bien, parce qu'on a toujours on peut se dire, est-ce que la carte, je la garde pour son effet, ou soit je m'en débarrasse, je ne l'ai plus, mais par contre, derrière, Ben moi, c'est ce que elle je va me fais. faire des points. Quand ça tombe sur une grosse carte, ça va pas me gêner de la mettre à part. Dans le Sénac, bah ouais, bah c'est ce qu'il Et ça faut, bah gagne. c'est là qu'on voit c'est là où on voit la différence en fait. En fait, c'est ça. Bon bah voilà, hein. Bon bah écoutez, c'est pas pour ce soir la victoire pour moi, mais bon. C'est pour moi. Ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien Tu me joué. serres la main? Ouais, je te serre quand même la main. J'ai Ouais. les mains moites parce que là je suis. Voilà. Bon, on va en discuter après, en D'accord. off. Mais en tout cas, bah, merci à vous d'être passés nous voir. Donc, à ceux qui sont arrivés tard ou ceux qui sont arrivés au début mais qui sont partis. C'était notre tout premier live Twitch. Bah, c'est cool, c'est sympa. On est super contents parce que ben, Ben, on est on mieux partage. installé, on est mieux, on a la fibre. C'est ça, je crois que là, ça a bien fonctionné, à part le problème de la petite caméra téléportée. Il va falloir que je vois ça. Mais voilà, donc retrouvez-nous le lundi ou le mercredi, c'est suivant notre emploi du temps. Mais une fois par semaine, c'est sûr, sur un jeu différent. Donc la prochaine fois, on ne sait pas sur quoi. J'aimerais bien faire une partie de rester sur le deck building avec les Chevaliers du Zodiaque avec l'extension Poséidon là, en coop. Ça peut être sympa. Je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, Salut! salut!